Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture et cette fois j'ai 2, 4, 5, 6, 7 ouvrages à vous présenter. Donc il va être un petit peu long ce point lecture, j'en m'en excuse d'avance. Mais sinon je vais être trop en retard sur les prochains et on va plus s'en sortir. Donc on commence tout de suite avec le tome 1 des voleurs de vœux de Jacqueline West, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Milan. Donc ici on va y suivre Van, un jeune garçon qui est amené à déménager régulièrement avec sa mère qui est une chanteuse d'opéra. Donc il bouge dans les pays en fonction des contrats qu'elle décroche. Et donc là ils se sont installés, alors je ne sais plus dans quelle ville c'est. Mais bon bref, c'est pas le plus important de l'histoire. Un beau jour, Van va découvrir une jeune fille près d'une fontaine où les gens jettent des pièces pour faire des vœux, comme on peut voir un peu partout, hein. Et il la voit plonger dans la fontaine pour essayer de récupérer les pièces, etc. Il lui parle, mais elle lui semble suspecte et il va se décider à la suivre. Et là, il va découvrir un monde qu'il ne soupçonnait pas, un monde où certaines personnes veulent protéger les vœux des gens pour qu'ils se réalisent, alors que d'autres essayent de voler les vœux, clairement, pour éviter qu'ils se réalisent, parce que pour eux, réaliser tout type de vœux peut être très dangereux et entraîner des répercussions. Et ceux qui veulent les protéger se disent qu'il n'y a pas de mal à faire qu'un petit vœu, et qu'il n'y a rien de mal à ça, et qu'ils ne voient pas pourquoi on ne laisserait pas les gens faire des vœux qui se réalisent derrière. Le concept étant vraiment très sympa, ce livre du coup me faisait très très envie et j'ai pas traîné pour me le procurer. Malheureusement, je ressors assez déçue de ce roman parce que mon Van est aussi un enfant qui est atteint de surdité, qui a donc des appareils auditifs. Donc ça, j'ai trouvé pas mal que pour une fois, on nous mette un héros, parce que ça reste quand même assez rare en littérature jeunesse, mais un héros qui a un handicap réel, qui est le héros de l'histoire. Après, malheureusement, j'ai trouvé que même si l'univers et ce qu'on nous promettait est développé, ce n'est pas développé d'une façon qui m'a tenue en haleine. J'ai eu un peu de mal à lire ce livre, alors que pourtant il n'est pas si gros que ça. Bon, il fait 420 pages, mais c'est écrit très gros, très aéré. Et je sais pas, j'ai pas réussi à m'immerger complètement dans cet univers. Il y a certaines choses qui étaient, pas pour moi, qui tombaient un peu comme un cheveu sur la soupe. Il y en a d'autres que j'aurais aimé que ce soit un peu plus approfondi. Après, Van est quand même quelqu'un de très touchant, de très agréable à suivre. Mais les autres personnages n'ont pas réellement su me captiver non plus. La mère de Van a tendance à pas vraiment écouter son fils, malgré ce qu'elle pense, hein, parce qu'elle pense être en gros quelqu'un à l'écoute de son enfant, mais c'est pas forcément toujours le cas. L'enfant se retrouve souvent livré à lui-même au profit de la carrière de sa mère, et ça c'est quelque chose qui moi me dérange profondément. Que chaque femme qui a un enfant ait une carrière professionnelle, je n'y vois aucun mal. Mais en fait, pendant qu'elle, elle répète, son gamin, il est obligé de venir dans les coulisses. Et il est là, obligé à s'ennuyer le temps que ben, les répétitions finissent. Alors que les répétitions peuvent durer toute une journée, toute une soirée. Alors qu'elle pourrait plutôt limite engager quelqu'un, je sais pas, à la maison, pour le garder, pour l'emmener se promener, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils font très peu de choses ensemble, en fait. Et je sais pas, j'ai... Comme je vous dis, le pitch de base est très sympathique, c'était plein de promesses, plein d'originalité quelque part, hein, parce que les voleurs de vœux, c'est pas quelque chose que... ou les défenseurs des vœux, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas monnaie courante ni en jeunesse, ni en young adulte, ni en adulte. Mais malheureusement, ça n'a pas été développé comme je l'aurais voulu, et j'ai trouvé qu'à certains moments, il y a beaucoup de longueur, mine de rien. On n'oublie pas que c'est un livre pour la jeunesse. Alors je ne sais plus à partir de quand il est conseillé, ça devait être quelque chose comme 12 ans je crois, quelque chose comme ça. Et je pense que le jeune lecteur risque de décrocher en cours de route de par le manque de rebondissement, le manque d'action ou de mystère, parce que par moment bah, il se passe rien en fait, clairement il n'y a même pas de mystère derrière, etc. Et j'ai trouvé que du coup, malheureusement, ben, j'ai beaucoup malheureusement dans cette vidéo. C'est pas une totale réussite pour moi. Après, ça reste une lecture agréable. Voilà, j'ai aimé suivre Van, j'ai aimé découvrir... Enfin, c'est Giovanni, mais son surnom, c'est Van. J'ai aimé découvrir son histoire. Mais je pense qu'on aurait pu tailler un peu dans le tas pour éviter ces longueurs qui, déjà, moi, m'ont gêné. Alors, un jeune lecteur risque de vite décrocher, malheureusement.
Ça reste sympa, ça reste original, même si ce n'est pas traité de la manière dont j'aurais préféré que ce soit. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, voilà, c'est un livre qui fait 14,90€. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous plonger. Vous n'aurez peut-être pas du tout le même avis que moi, ce qui est totalement possible. Hein, mais ça ne l'a pas fait entièrement avec moi. Et il est en vente sur la boutique si jamais ça en intéresse certains. Sachant qu'il vient juste de sortir et qu'il est à moitié prix. Ensuite, je vais vous parler de L'internat de l'île aux cigales de Julie Bonny, publié chez Albin Michel Jeunesse. Et ce livre, ça a été une excellente, excellente, excellente lecture. Ici, on va y suivre, alors je ne me souviens plus des prénoms, Marguerite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise. En fait, ce sont des enfants de différents horizons. Il y a une... c'est une cantatrice, je crois. Je ne sais plus si c'est une cantatrice ou... enfin, quelqu'un de très connu qui a décidé de monter un internat pour tout ce qui est la fibre artistique. Chaque année, il n'y a que 5 élèves, je crois, par classe. Donc 5 6e, 5 5e, etc. Et ils sont triés sur le volet, on va dire. Et les dossiers sont sélectionnés donc par cette personne influente. C'est elle qui choisit les élèves à venir. Et donc là, on y suit ces 5 personnages qui arrivent dans une barque, puisque c'est une île, il faut bien s'y rendre, qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre et qui ont des projets différents. Cerise, par exemple, veut être chanteuse. Il y en a qui veulent être musiciens. Il y en a qui veulent être acteurs de théâtre. Enfin, ils ont tous des projets artistiques différents. Et pourtant, ils vont former la classe des 6e des nouveaux venus. Donc, ils vont rencontrer aussi des élèves plus adultes qui sont là depuis un petit moment, qui sont en avant-dernière ou en dernière année. Et ils vont découvrir tout le principe. Donc, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de cours spécialisés dans ce qu'ils cherchent à se former. C'est pas très français, mais je pense que vous avez compris. Et on va suivre le passé, le vécu de chacun, leurs aventures, comment ils appréhendent cette nouvelle année, ce nouvel établissement, comment ils appréhendent aussi le fait d'avoir beaucoup à travailler sur ce qu'ils rêvent de devenir un jour. Mais aussi, ils vont découvrir que tout n'est pas rose, que certains élèves se tirent dans les pattes sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et j'ai vraiment aimé plonger au cœur de cet internat, au cœur de leurs histoires à tous, de voir que... parfois, le passé et le présent peuvent être bien plus liés les uns aux autres que ce à quoi on s'attend. C'est vraiment un livre qui évoque la tolérance, le respect, l'amitié, la différence. Aussi, le fait que tout ne se passe pas toujours bien entre deux êtres humains. Ça a été vraiment un agréable moment de lecture. J'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé la façon dont est racontée l'histoire. Je me suis énormément attachée au personnage, mais également à l'un des plus anciens. Donc le garçon qui est en dernière année, qui va un peu les prendre sous son aile, apporter beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de secrets, et Ellie. Et que ce soit nos 5 jeunes nouveaux arrivants, on va dire nouveaux élèves, ou Ellie, j'ai beaucoup été touchée par leur histoire. C'est vraiment une magnifique histoire. Il se passe rien de particulièrement novateur, il ne se passe rien de... enfin, il n'y a pas énormément d'action, de rebondissements, etc. Et pourtant, c'est un livre qui se lit tout seul, un livre qui fait du bien au moral. Et je suis ravie de l'avoir découvert. Il fait 333 pages, voilà, avec une mise en page aérée assez grosse. Et celui-ci, je me le garde précieusement de côté parce que je pense que je replongerai dedans avec un grand, grand, grand plaisir. Et voilà, je sais que ce livre est passé... complètement inaperçu. Moi, je l'ai découvert sur les étals en librairie, enfin dans mon espace culturel, et je sais pas, il m'a donné envie. J'ai lu le résumé, je me suis dit allez, je l'embarque, et je ne le regrette absolument pas. Donc pourquoi on l'a vu passer nulle part, je ne sais pas, mais c'est bien dommage parce que il vaut le détour. Un autre livre que j'ai vraiment adoré, que j'avais hâte de découvrir, quand Michel Lafond nous l'a proposé en service presse, comment dire, je me suis ruée dessus et j'ai croisé les doigts pour avoir la chance de le recevoir, parce qu'on est beaucoup de partenaires, donc à chaque fois on postule en dessous du titre qui nous intéresse, mais on n'est pas sûr de l'avoir, ce qui est logique et en faut pour tout le monde. Et Camille me l'a gentiment envoyé et je suis juste complètement redingue de cette histoire. Il s'agit de Le voyage de nos vies, quand la réalité rejoint la fanfiction de Chris Colfer chez Michel Lafond, donc, qui est le tout dernier de l'auteur. Donc le tout premier était Struck, je n'ai pas aimé, je l'ai abandonné. Ensuite j'ai découvert la série Le Pays des Contes, dont je vous ai parlé de tome 4, 5, 6 en ce début d'année, que j'ai adoré. Et donc j'avais très envie de découvrir
une histoire contemporaine, donc il n'y a absolument pas de fantastique dedans. Donc une histoire contemporaine et un nouveau récit en one-shot de Chris Colfer. Dans ce livre, on va suivre plusieurs personnalités. On a Cash Carter, un acteur qui fait depuis ses 12 ans, donc il a 22 ans je crois, qui enchaîne les plateaux de télé, qui enchaîne les tournages d'une série qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup adulée, alors qu'au départ elle s'est fait descendre par les critiques du métier. Et c'est ce qui a suscité, pardon, chez les fans l'engouement pour la série, qui se sont tous plongés les uns derrière les autres, et c'est devenu vraiment une série à grand, grand succès. Cash commence à avoir de plus en plus de mal avec le fait que il est obligé de surveiller ses dires, ses faits et gestes. Il ne peut pas se laisser aller, il ne peut pas montrer tel qu'il est lui-même en fait, l'homme derrière l'acteur, puisque tout le monde l'associe à son rôle, mais un acteur n'est pas qu'un rôle. Un acteur est un humain avant tout, il joue un rôle, ce n'est pas le rôle. Et ça, beaucoup de gens par contre l'oublient, que ce soit les producteurs, les managers ou le public. Et donc il se sent quelque part, on va dire, oppressé de devoir toujours surveiller ce qu'il dit, ce qu'il fait, de façon à ne pas décevoir les gens qui l'aiment, donc le public notamment. Et ça devient vraiment très 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 pesant pour lui. Ils en sont à la 9e saison d'affilée. La 10e je crois doit reprendre, ou c'est la 8e et la 9e je ne sais plus. Mais il commence à avoir de plus en plus de mal. D'un autre côté, on va suivre 4 amis. On a Topher qui est un jeune garçon dont le père est en mission ailleurs dans les États-Unis. Il vit avec sa mère et son petit frère qui a eu un handicap cérébral. Donc, qui dépend de sa mère et son frère. Et Topher est toujours très proche de lui, toujours à essayer de faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il n'ait besoin de rien. Topher, c'est vraiment le grand frère par excellence qui prend soin du petit frère. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire. D'un autre côté, on a Sam. Sam qui cache un secret. Sam qui vit avec sa mère, qui est très 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 féminine, très maquillage, très talons, très ceci, très cela. Alors que Sam, pas du tout. Sam, en fait, elle a un look basique et elle s'en porte pas plus mal comme ça. Sauf que sa mère insiste pour qu'elle soit plus féminine, plus ceci, plus cela. Ensuite, on a Joey, donc, qui est le fils d'un pasteur black. Donc comment vous dire que les choses ne doivent pas toujours être simples pour lui au quotidien, parce qu'il va être confronté quelque part aussi au racisme des gens. Et on a également Mo, qui est une asiatique. Elle a perdu sa mère lorsqu'elle était très jeune. Elle vit donc seule avec son père. Et son père veut qu'elle fasse des études commerciales, alors qu'elle, elle rêve d'autre chose. Elle rêve d'une autre université, mais elle n'ose pas le dire à son père. Et ces quatre enfants-là, enfin ces quatre adolescents, parce qu'ils sont à l'approche de leur majorité, ou ils viennent tout juste de l'avoir, je ne sais plus. Enfin, majorité française, hein, pas américaine. Et voilà, et ce qui les a réunis tous les quatre, c'est au final la série, dont Cash Carter est le héros principal. Depuis tout petit, enfin depuis qu'ils sont enfants, ils se réunissent toutes les semaines pour voir le nouvel épisode. Et après, ils patientent tant bien que mal jusqu'à la nouvelle saison. Pour les vacances, avant que chacun parte dans une université différente à un bout de l'autre des États-Unis, ils décident de se faire un road trip qui dure 2 semaines, je crois. Topher a pris l'habitude d'écrire des lettres à Cash Carter pour le remercier de tout ce qu'il lui apporte au quotidien sans s'en rendre compte. Et il lui dit bêtement, via son site internet officiel, qu'il part en road trip et que s'il veut, il peut les accompagner. Mais Topher disait ça en plaisantant. Jusqu'à ce que dans la nuit, il reçoive un SMS pour lui demander à quelle heure. Et donc, l'acteur va en effet les rejoindre juste avant leur départ en road trip. Et donc, on va suivre ce road trip en lui-même. On va suivre les lieux que chacun a tenu à visiter et a mis dans leur itinéraire. On va également rencontrer les secrets que chacun a, parce que chacun a des petits secrets qu'il n'a pas dit à ses compagnons, enfin à ses amis, à ses compagnons de route, etc. On va les voir, on va voir comment ils vivent ça, pourquoi ils ne leur disent pas. On va aussi découvrir Cash Carter, mais tel qu'il est dans la vraie vie et non pas tel que le montre son rôle en fait. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Après, c'est pas un livre où il y a 150 actions qui s'enchaînent. C'est pas un livre où ça bâme dans tous les sens. Et pourtant, il fait 299 pages. Je l'ai bouffé en moins de 24 heures parce que j'étais totalement accro.
J'aime toujours autant la plume de Chris Colfer. J'aime ses idées. Il met beaucoup de thématiques importantes que je ne citerai pas parce que je ne veux pas vous ôter cette surprise. Parce que pour moi, ça a été vraiment un bonheur de les découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Et il est hors de question que je prive quelconque lecteur de ça. Donc je vous laisserai découvrir les thématiques. Mais croyez-moi qu'il y a des thématiques très actuelles sur lesquelles il faut toujours continuer à se battre parce que rien n'est acquis, rien n'est gagné. J'ai adoré la façon dont il met les personnages en scène. Le comportement de Cash Carter qui est aux antipodes de tout ce que nos quatre amis peuvent penser, ou ce qu'ils sont d'ailleurs. Et il va venir là-dedans, il va donner un coup de pied dans la fourmilière, tout va voler dans tous les sens, et ils vont vraiment apprendre à découvrir le vrai Cash Carter. Ça va créer tout un tas de moments drôles, touchants, énervants, agréables. Enfin, il y a un mélange de tout un tas d'émotions. La fin m'a surprise parce que je l'avais pas spécialement vu venir. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais j'avais pas mis le doigt dessus et je pensais pas spécialement à ça en fait. Donc je dois dire que la fin m'a plutôt surprise. J'ai adoré comment est traitée l'histoire, tout simplement, comment elle est développée, comment les personnages sont travaillés, comment ils sont fouillés, comment chacun a quelque chose de très fort et de très beau en lui sans le savoir. C'est vraiment un livre qui m'a touchée au plus profond de moi-même et je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est foncez l'acheter, faites-vous le prêter, empruntez-le en médiathèque si vous le trouvez. Mais clairement n'hésitez pas, ce livre vaut le coup et j'ai déjà hâte d'avoir un prochain Chris Colfer à découvrir, mais je pense qu'il va falloir que je patiente. Mais ce livre est vraiment très très bon et voilà, foncez dessus. Pour le livre de Chris Colfer, ne vous inquiétez pas, ce que je vous ai raconté c'est ce qu'on apprend dans les tout premiers chapitres. Ça doit être peut-être les deux, trois, enfin les deux premiers, quelque chose comme ça. Parce qu'on a une partie avec les personnages qu'on rencontre et une partie avec le côté showbiz. Mais je vous spoile rien, c'est dans les tout débuts du livre et ça plante un peu quand même le décor et on apprend tout un tas d'autres choses dont je ne vous parlerai pas et que je vous laisserai découvrir par vous-même. Ensuite, on continue avec une excellente lecture, mais bon, très courte et que j'aime beaucoup, donc ça ne vous surprendra pas. On a Azuro au Royaume des Dragons de Laurent et Olivier Souillet et illustré par Jérémy Fleury chez Ozu. Donc c'est le tout petit dernier qui est sorti le 18 avril dernier. Comme d'habitude, hein, vous vous en doutez, je me suis juste ruée dessus en magasin. Alors oui, c'est un achat très imaginal puisque les papas de Azuro, donc les deux auteurs Laurent et Olivier Souillet, y seront présents. Sauf que j'avais peur qu'une fois sur place, de ne plus le trouver cet album, qu'il se fasse dévaliser, on ne sait jamais. Donc j'ai voulu tout simplement le prendre d'abord, le lire et j'emmène tous mes albums d'Azuro pour les faire dédicacer. C'est l'occasion ou jamais. Donc ici, on va y suivre, on y retrouve Azuro en fait, que sa maman va venir chercher parce qu'il est temps pour lui de mettre son empreinte au royaume des dragons. Donc il va découvrir là où les dragons naissent et là où ils ont vécu pendant de très très longues années. Un royaume qu'il ne connaît absolument pas, il va vite être émerveillé. Et il sera en compagnie de Vermillon et Oria, une petite dragonne. Ils vont découvrir tout ce que implique le royaume des dragons. Et bien entendu, ils vont faire des bêtises, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc ici, les thèmes principaux qui vont être abordés, c'est l'école, la tricherie et l'entraide. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on le sait à l'avance, si on lit la quatrième de couverture, puisqu'à chaque fois derrière, on vous dit quelles seront les thématiques abordées. Une fois de plus, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ce n'est pas ma préférée, mais elle est très jolie. Les dessins sont encore une fois, comme je viens de vous le montrer, juste à tomber par terre. Et j'adore cette série d'albums. Alors je sais plus, à partir de 4 ans, quelque chose comme ça, pour les enfants. Et je trouve que c'est une excellente série. Dans la même collection, il y a plein d'autres histoires avec des animaux différents qui ont l'air bien sympathiques aussi. Et je pense qu'au fur et à mesure, je m'en achèterai un de temps en temps pour découvrir les autres albums de cette catégorie. C'est des albums toujours avec une belle histoire, avec une petite morale, avec des thématiques abordées auxquelles les enfants seront confrontés rapidement à l'école. Et les illustrations, c'est un régal pour les yeux. Je ne sais pas quoi vous dire de plus si vous n'avez jamais craqué pour cela. Mais en plus, ils sont à 5,95€, donc ils sont vraiment pas chers quand on voit que certains autres albums jeunesse coûtent 12 à 14€ pour le même nombre de pages. Donc je trouve que c'est une très bonne collection et Azuro est une très 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 bonne série. Il m'en manque qu'un seul, c'est celui sur le Père Noël, parce qu'il n'est pas sorti dans les albums comme celui-ci, qui est souple, mais dans les cartonnés. Donc à voir s'ils l'ont imaginal, je compléterai la collection.
Maintenant, on va passer à une lecture commune que j'ai faite avec Maud de la chaîne des Livres Une Fille. Il s'agit d'un one-shot, d'une dystopie. Et malheureusement, je ne suis beaucoup moins emballée que pour les titres précédents que je vous ai présentés. On a 7 secondes de Tamiston, publié chez Lumen. Donc ici, on va y suivre Mila. Mila qui est une ado, je ne sais plus quel âge elle a. Elle approche de la majorité, elle aussi. Elle doit avoir 17 ans, quelque chose comme ça. On va la découvrir dans un monde qu'on ne connaît pas spécialement au début. Moi j'ai mis du temps à appréhender l'univers parce que pour moi c'est trop rapide et en fait ça manque d'informations. Donc elle se retrouve dans un monde où on a le tiers monde, donc tout ce qui était l'Europe tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe plus, ça fait partie du tiers monde, tout comme plein d'autres continents. Et il y a l'île, je crois que c'est, ben, voilà, les îles. Les îles, c'est là où le pouvoir est regroupé, c'est là où ils ont la belle vie, alors que dans le reste du monde, clairement, ils crèvent de faim. Les seules plantations qu'ils arrivent à avoir, ben, c'est pour que ce soit récupéré et que, ça soit, que les habitants des îles soient nourris. Et là-bas, tout fonctionne de façon assez bizarre, en fait, pour passer des appels, pour se repérer. Il n'y a pas de panneaux, on n'a pas les téléphones que vous connaissez, les téléphones fixes ou les téléphones portables. Mais ils ont une espèce de téléphone qui leur est mis dans le cerveau. Et en fait, tout se passe par ce téléphone qu'ils ont dans la tête. En fait, si par exemple, ils se baladent dans la rue, il n'y a pas de panneau, il suffit qu'ils demandent l'information, et l'information va leur dire où tel bus va, où tel train les conduit, où est-ce qu'ils se trouvent. Pour passer des appels, ils ont tout un tas d'applications aussi, ils peuvent passer des appels, ils ont aussi des visionneurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe à expliquer, en fait, je me rends compte. Parce que là, je sais même pas comment vous raconter ça, en fait. Et en tout cas, c'est un peu comme quelqu'un qui fait du streaming sur les jeux vidéo. En fait, vous avez un délai, en fait. Vous avez toujours quelques secondes qui s'écoulent de décalage. Je cherchais le mot. Et ben là, c'est pareil. Mais là, avec ce téléphone, va avoir ce qu'elle vit sera diffusé avec 7 secondes de retard. Donc elle a 7 secondes d'avance sur les gens qui l'observent. Et malheureusement, elle va vite se rendre compte qu'on veut attenter à sa vie. Et donc elle va se servir de ces 7 secondes d'avance pour tenter de s'en sortir coûte que coûte. Et essayer de comprendre pourquoi on veut l'éliminer, en fait, clairement, parce qu'elle n'en a pas la moindre idée. Elle ne sait pas qu'est-ce qui l'a conduit à être la cible du gouvernement. Et elle ne sait pas qui a fait ça. Quel était son but, enfin tout un tas de choses, et c'est surtout une énorme course-poursuite. J'ai trouvé que l'univers n'était pas assez développé, pas assez fouillé. On a beaucoup d'explications qu'on n'obtiendra jamais malgré avoir terminé le roman. Alors certaines vont nous être données au fur et à mesure. Maintenant, on a encore beaucoup d'interrogations qui restent sans réponse, et ça, moi, ça me pose problème. On a des passages qui alternent entre le passé et le présent. Les chapitres sont méga longs, ce que je ne supporte pas, puisque il fait 369 pages et il n'a que 15 chapitres. Donc je peux vous dire que pour moi, ça casse le dynamisme du récit, et du coup j'ai énormément de mal quand les chapitres sont aussi longs. De plus, on a l'impression qu'il n'y a que ça, qu'une course poursuite en fait de A à Z, du début du roman à la fin. L'héroïne est livrée complètement à elle-même, elle essaie de survivre, elle a que très peu d'informations, elle n'a pas d'explication, et elle va être obligée d'essayer de trouver les réponses par elle-même. Maintenant, je trouve que... Alors oui, on est dans un récit dystopique, ça n'existe pas. Maintenant, j'ai besoin qu'il y ait un minimum de réalisme dans un écrit, qu'il soit dystopique, fantasy, ce que vous voulez, que soit la réaction des personnages soit crédible, que certaines choses soient un minimum réalistes, et j'ai pas spécialement trouvé ça dans ce roman. Pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup trop tirées par les cheveux. Sur ça, Maud est d'accord avec moi, on a le même avis. Donc sur ce coup-là, pour une fois, on est raccord. Et ouais, on n'a pas été plus emballé que ça par notre lecture. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. D'ailleurs, je ne me suis pas spécialement attachée, hein, clairement. Donc ça devient déjà compliqué quand on ne s'accroche pas au personnage, soyons honnêtes. En plus, ce rythme effréné de course-poursuite H24... a commencé au fur et à mesure des pages à me pomper un peu l'air, clairement, hein, soyons honnêtes. Et je sais pas, il y a des choses qui auraient mérité d'être détaillées qui ne le sont pas, alors je veux bien que ce soit un one shot. Maintenant, si vraiment l'auteur voulait faire un one shot pour une dystopie, dans ce cas-là, il manque peut-être 100 pages
qui aurait permis de mieux appréhender l'univers, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a conduit à l'univers qu'on connaît. On n'a aucune explication sur pourquoi on en est là, sur comment l'univers, enfin le monde à l'heure actuelle du roman, a été mis en place et pourquoi ils l'ont mis en place de cette manière plutôt que d'une autre. Tout ça, c'est un pan de l'histoire dont on n'aura pas de réponse en fait. On n'aura aucune indication. Et voilà, ça se lit, c'est sympa, mais c'est sans plus. Et d'ailleurs, je ne le garde pas, donc si jamais ça vous intéresse, je le mets également sur la boutique. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et dont je ne possède déjà plus, donc je vous mets la couverture ici. Il s'agit de Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo chez Rajo. Donc ici, on va y suivre Elliot. Elliot qui est un garçon qui est harcelé à l'école par une vraie petite peste qui se fait passer pour un ange et qui a tout le monde dans sa poche. Personne ne la soupçonne. Elle ne fait pas les choses directement, mais elle envoie les deux jumeaux, qui sont plutôt des petites brutes, à la poursuite d'Eliot. Et un jour, Eliot décide, pour essayer de leur échapper. Du coup, il se réfugie dans la bibliothèque et exténué par cette course pour leur échapper, il va s'endormir dans la bibliothèque. La bibliothèque va fermer ses portes sans que personne ne sache qu'il était là et qu'il sera enfermé à l'intérieur. Et c'est là qu'il va faire des découvertes assez particulières, puisqu'il va être réveillé et il va découvrir une armée d'espèces de rats mécaniques qui vont vouloir l'emprisonner, etc. Le bibliothécaire va intervenir et il lui explique qu'il n'aurait jamais dû découvrir cet aspect de la bibliothèque, qui est un aspect réservé à quelques membres élitistes et qu'il ne doit surtout pas parler de ça. Dans un premier temps, on veut lui effacer la mémoire, chose que Elliot refuse catégoriquement. Et à la place, il va se faire confier trois missions. Trois missions qu'il va devoir mener à bien s'il veut pouvoir espérer s'en sortir indemne. On va dire ça comme ça. Il y a aussi un chat parlant qui a un sale caractère de cochon. J'ai plutôt bien aimé la personnalité des personnages. J'ai aimé le fait qu'on découvre un monde magique autour des livres dans cet tome. Enfin, dans cette histoire, parce que c'est pas un tome, c'est un one-shot. Maintenant, malgré que j'aime leur personnalité, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai trouvé que... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans le déroulé de l'intrigue. J'ai pas réussi, il est pourtant très court, hein, mais j'ai pas réussi à être pleinement captivée dans ce récit. Je l'ai lu, c'était sympathique, c'était agréable, mais ça ne m'a pas entièrement convaincue. Il m'a manqué quelque chose pour que vraiment je sois conquise par cette histoire. Pourtant, voilà, on nous parle de bibliothèque, on nous parle de livres, on nous parle de missions secrètes dans un monde magique. Il y avait pourtant tout pour me plaire, mais il m'a manqué un petit quelque chose. Je ne saurais absolument pas vous dire de quoi il retourne, mais il m'a manqué ce quelque chose qui me donne des étoiles plein les yeux, en fait. Et du coup, ben, c'était bien sympa. Je pense que pour les plus jeunes lecteurs, ce sera juste parfait. Ils devraient passer un très bon moment avec ce roman. Mais moi, il m'a manqué ce petit plus pour que j'en ressorte pleinement satisfaite, tout simplement. Après, je peux quand même vous le conseiller. Je pense que voilà, ça ne l'a pas fait avec moi, ça ne veut pas dire que ça ne le fera pas avec vous. Ce roman est illustré. Forcément, je ne l'ai plus sous les mains, donc ça va être compliqué de vous montrer. Mais l'ouvrage livre est magnifique. Et voilà, je pense qu'il peut plaire vraiment à un grand public. Sauf que ben, moi, malheureusement, de mon côté, ben, je suis passée à côté, tout simplement. Désolée pour la coupure, j'ai eu un appel, donc j'ai dû arrêter de tourner. Et donc on va reprendre pour le dernier livre de cette vidéo. Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts chez Bayard. Donc ici on va y suivre Emily, une jeune fille qui vient vivre avec sa maman dans un endroit assez reculé où elle ne connaît personne. Et sa mère tient une espèce de centre vétérinaire pour prendre soin des animaux. Un beau jour, elle va se promener et tomber sur Ariane, donc la jeune fille qui est ici, et qui agit assez bizarrement. En plus, il y a des attaques d'animaux assez particulières. Elles vont recueillir un tigre à soigner. Si je ne me trompe pas, c'est un tigre. Elle va découvrir un loup qui parle, Emily, ce qui ne manquera pas de la surprendre, hein, clairement. Et un beau jour, en se promenant aux alentours, elle va tomber sur une forêt Enfin, c'est pas une forêt, c'est comment dire. C'est une réserve.
naturel avec des animaux où Adriane vit. En fait, il y a une énorme bâtisse dont le propriétaire a disparu il y a quelques années. Et eux, ils avaient une petite maison attenante puisque sa grand-mère travaillait pour ce monsieur. Donc, ils continuent à s'occuper du manoir et eux vivent à côté. Et Émilie va pénétrer sur le terrain. Émilie va faire des découvertes qu'elle ne soupçonnait pas. Et elle va trouver un curieux pendentif avec une chaîne et qui agit bizarrement. Donc ici, on va vraiment y suivre des enfants avec des animaux. Il va y avoir de la magie, des pouvoirs magiques. Il va y avoir bien entendu des personnages méchants qui veulent tout détruire. Elles vont également faire la rencontre de Cara, qui est la fille du maire. Le maire qui a une grosse responsabilité sur les épaules, puisque certaines personnes de la commune veulent lui faire fermer cette réserve naturelle sous prétexte qu'elle est dangereuse, qu'il y a beaucoup d'attaques d'animaux, que beaucoup de chiens et chats disparaissent. Et on fait pression sur lui pour que cette réserve disparaisse et que le terrain soit récupéré et transformé en quelque chose de très lucratif pour la commune. Donc Cara Cara est quand même au départ une petite peste. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut et elle voit pas pourquoi avec Émilie et Adriane ça se passerait autrement. Mais malheureusement pour elle, elle va se retrouver plongée dans un monde qu'elle ne soupçonnait pas, un monde qui va autant l'intriguer, la captiver que l'effrayer. Et ces trois jeunes filles vont devoir faire avec et elles vont devoir s'allier pour tenter de sauver certaines créatures magiques. C'est un livre qui se lit tout seul, voilà. Ça fait 200 pages, c'est comme ceci, c'est un format poche, ça se lit extrêmement vite. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'animaux différents de présents. J'ai aimé les liens qui se nouent peu à peu entre Adriane et Émilie. J'ai aimé le fait que les adultes aient leur place à part entière dans cette histoire, même si ce n'est pas pendant tout le roman. Ils ont quand même une place bien à eux dans le roman, on les retrouve à de nombreuses fois quand même. On rencontre aussi la grand-mère d'Adriane qui est une vieille dame particulière mais que moi j'ai beaucoup aimée en tout cas. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose pour les plus jeunes qui veulent découvrir la magie. Voilà, c'est dans la collection 10+. Si vous voulez suivre des aventures avec de la magie, des créatures fantastiques, de l'amitié, des combats, des vrais méchants... Je pense que c'est vraiment une série qui pourrait plaire à tout le monde. Moi, je sais que j'ai les 5 premiers tomes de cette série. Le 6e vient tout juste de sortir, si je ne dis pas de bêtises. Ou il sort en mai, je ne sais plus. Donc, le 6e sort très prochainement. C'est des livres qui sont à moins de 6€, il me semble. Ça doit être quelque chose comme 5,95€, peut-être 6,25€, quelque chose comme ça. Donc, vraiment pas cher. Et avec lesquels j'ai passé un plutôt bon moment sur ce premier tome. Et j'ai hâte de me plonger dans la suite pour... découvrir la suite des aventures de nos trois amis. Alors ils vous disent trois amis pour la vie dans le titre. C'est pas gagné avec Cara, hein. On sait pas encore vraiment si elles vont devenir les meilleures amies du monde, mais peut-être que. En tout cas, c'est trois jeunes filles au parcours bien différent, aux attentes bien différentes, qui rêvent de choses différentes et qui vont se retrouver et vont devoir s'allier et elles vont au fur et à mesure se découvrir également qu'elles peuvent avoir certains points communs. Mais voilà, moi qui adore les animaux, qui adore la magie, ça pouvait systématiquement que me plaire. Mais voilà, je vous le recommande chaudement. C'est des petits livres qui se lisent vite. Voilà, ce point lecture touche enfin à sa fin, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres que je vous ai présentés, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'ils ne vous font pas du tout envie, c'est votre droit le plus légitime. Je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre en commentaire, même si j'avoue que je suis un peu en retard en ce moment. Je vais essayer de rattraper tout ça cette semaine. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, un excellent jour férié également. Et je vous souhaite de très belles lectures. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.